et bah écoute, avec Aurore, on a 30 ans, il y aura tous une petite bite ici là. Car c'est magnifique. Allez, c'est parti. Précédemment dans Paris Express, nous avons suivi trois équipes dans une course d'orientation à travers Paris. Une première énigme les a guidés vers trois lieux différents, où une seconde les a amenés à résoudre un tangramme. Ils se sont ensuite rendus près de la petite ceinture pour y affronter nos champions à la pétanque. Les bleus et les verts y ont obtenu la victoire et ont pu se diriger immédiatement vers le parc Georges Brassens, lieu de la quatrième énigme. Les rouges ont malgré tout été les plus rapides de la course numéro 1 et ont franchi les premiers la ligne d'arrivée au Jardin des Tuileries. Après une courte pause, un quiz a permis aux verts de garder la tête du classement grâce aux points qu'ils ont pu obtenir, additionnés aux 4 missions remplies et à la rencontre de Guillaume. Nous suivons maintenant la seconde course de la journée. Les rouges ont repris la tête de la course et après avoir trouvé le trésor dans le labyrinthe du carrousel du Louvre, ils ont relevé le défi de reproduire une chorégraphie avec trois inconnus. Les bleus et les verts ont pris du retard, mais comme les rouges, ils sont en possession de la sixième énigme. Ils se dirigent tous désormais vers le square Marcel Blanchet, près de la basilique du Sacré-Cœur. Alors, quelle équipe arrivera à obtenir la dernière énigme avant les autres? Qui remportera la compétition ou devra affronter le saut pendulaire? Bienvenue dans le dernier épisode de Paris Express. C'est Place Vendôme ? Nous retrouvons les Verts qui cherchent à comprendre leur nouvel indice. Montmartre ? Basilique de Montmartre ? Il y a une basilique. Me demande pas, c'est pas moi, faut pas me demander. Si c'est loin, je me dis si on va à Pigalle, c'est pas bon, mais si on va à Montmartre. Pigalle et Montmartre, c'est juste à côté. C'est... Non mais oui. Mais... Moi, si tu me dis on va à Massy, je te dis non, c'est pas Massy. Tu me dis on va à Villejuif. À Villejuif? Non, c'est pas à Villejuif. Putain, merde. Après, je ne donne aucun indice. Alors là, la machine du Moulin Rouge, si c'est pas une salle de spectacle, ça? Clairement, on va y en parler là. Allez, hop là. Et parce que je connais Mathieu. Tu connais Mathieu? Oui. Et comment tu peux en être sûr déjà qu'il nous fait finir à Montmartre? Parce que c'est le coin le plus haut, c'est le coin où se poser. C'est l'apogée. Ouais, genre c'est... Puis avec Mathieu, on avait marché de Châtelet jusqu'à Montmartre aussi. Yes. Ça fait des souvenirs, quoi. Ok. Et du coup, caméra, par rapport à l'indice, où est-ce qu'on va? Demande à Rémi Chou, il... Vas-y, petit récap. Aïe. Aïe, c'est froissé le muscle, ça y est. Du coup, on parce va... Parce que serpent mythologique, la basilique, sacré cœur. Cœur de la basilique, ça crée. Ok. Et parce que square en anglais c'est carré, c'est l'indice numéro 1. Tout s'emboîte donc. Ouais. Oh là, hey, on dirait pas, il va pleuvoir là. Si. Donc bientôt. Si, il va pleuvoir. On va frapper la sauce là. Bon bah on va peut-être se prendre la pluie. Vas-y hein, on est parti pour le sacré cœur. Alors clairement je vois que la situation commence à devenir un petit peu circulation un peu dense. Ouais. Là j'avoue ça commence à se remplir. Ouais. Ça commence à se remplir. Allez, photo. Il y a le panneau en plein milieu, mais décalez-vous un petit peu. Les rouges, qui avaient encore deux missions à remplir, s'arrêtent pour prendre une salle de spectacle en photo. Ils valident donc leur troisième mission. Voilà. Allez, what's up? C'est mes éponges, on a Paris Express. La loose, putain, on a perdu grave de temps pour R. C'est pas grave, hein, c'est le jeu. Hein. Non, c'est chiant. Les anciens, toujours un peu perdus, cherchent un moyen de transport en face d'une bouche de métro. Pendant ce temps-là, chez les Verts. Nous sommes donc à la recherche du métro pour prendre la ligne 12, si j'ai bien compris, qui nous emmène au Sacré-Cœur, à Montmartre. Et puis on va voir hein, à partir de là. C'est parti.
jambes. Rentre les jambes. Ce sera la phrase, c'est entre j'ai une moto et... Super. Oh là, oui. Allez, madame, monte. Viens, viens le guidon. Non, je ne pas de guidon. Je peux pas. Ouais, elle est pas trop quand même. Les Verts ont choisi de se rendre en métro et devancent les Bleus qui prendront d'ailleurs le même itinéraire. Nos trois équipes ont bien rendez-vous au square Marcel Blanchet. Alors nous sommes à minute moins 3 avant de se prendre une grosse pluie de sa mère. Parce que là ça se voit, il est 17h30, le ciel il est couvert. Non, ça sent que là il fait sombre. Que la pluie elle va bientôt tomber. On va faire attention à nous. On a des petits parapluies. Oui. Bah on s'éclate, arrête. Non, mais heureusement qu'il pleut pas pendant qu'on fait des trucs quoi. Ouais, franchement, s'il pleut à la fin, c'est le bouquet final. Ouais. C'est là-haut, non? Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? On n'a pas trouvé de moyen de locomotion. Du coup, on est baisé. Trop le seul. Eh, l'espoir là des bleus là. Allez, l'espoir des bleus. Ah 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 ah. Les rouges ne sont plus très loin, mais la montée de la butte Montmartre leur donne du fil à retordre. Je suis en âge. Je suis en train de raison, c'est ça. Ah, transpiration de Yassine. Tu vois, je transpire. Ah, les bûchements, non? Ah, ça. Non, c'est pas les bûchements, mais... Non? Ah non, c'est pas le même endroit. Je sais pas, je vois. Montmartre. Moi, je trace, moi. Montmartre. On aurait peut-être pu faire un marathon. Oh, bah, ce sera des 31 ans, hein. Ah, putain, c'était 31 ans. Allez, 32. C'était 30... Putain, tu peux pas rajeunir un peu? Tout droit. Allez, on a une équipe motivée, franchement. On n'est pas à l'abri que même si on était les derniers partis du Louvre, peut-être qu'avec les transports en commun, on a repris un peu d'avance. On peut encore espérer une deuxième place, je pense. En fait, moi, je pense qu'on n'était pas tant en retard que ça. Non. Pas vraiment. Avec le jeu. On est parti. On arrive à la pétanque en premier. Ouais, mais... Pas plus que ça. Allez, allez, on va gagner. Le GPS m'arrête ici. La rue de la Bonne. Et là, il y a un square. Là, il y a un square, mon kiki. Sera fermé en cas de renfort ou d'intempéries. Un petit Red Bull et ça repart. C'est l'alcool qui va faire une descente. Oui, je pense aussi. Ouais, c'est la descente. Normal, normal. Allez, go, 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 c'est par là, c'est pas. Vous êtes fatigué. Bon, pendant ce temps-là, l'équipe rouge. Près du square, les attendent les maîtres du jeu pour une partie de Molky. Ouais. Là, je suis en âge. Hein. Bon, ça va, allez, c'est est-ce que t'es pas rouge? Team Crofro. Team Crofro. S'ils parviennent à faire tomber une des quilles marquées d'une croix, ils obtiendront la dernière énigme et un indice pour le déchiffrer. Mais surtout, deux points bonus sont en jeu. Est-ce que sur la quille, il y a une marque? Non, aucune des deux. Quand est-ce que ça s'arrête? Sauvez-nous! Ça y est, j'en ai marre. Ah yes, voilà. Je veux rentrer chez moi. Un petit peu là. Non, non, mais bien. Non. Ah, ah, ah. Ouais. Est-ce que c'était le cas? Ah non. Non. Bon. Oh bah, il est. Eh bah, tant pis, votre équipe a le droit de faire un tour d'escalier. C'était le 3. Les éponges ont malheureusement perdu le jeu et doivent descendre puis remonter les escaliers en guise de gage. De quoi? Faut que tu montes et que tu descendes. Je peux pas trop.
Je peux pas, moi, je suis désolé, mais les escaliers. Caméra woman. Escalier ou ascenseur? C'est bien dormir cette fois. En fait, là. T'as pris un coup de soleil? Non, je suis juste rouge. 19 000 par an. Et ma première rencontre avec Mathieu? Oui. Ok. Après, je ne sais pas. Ah, je suis sur Panda qui. Bonsoir. On part en vacances. Oui, je vois ça. Peut-être que Panda va être en couple et papa en même temps. Panda s'est trouvé une femme et un enfant en même temps? Oui, c'est ça. D'accord. Exactement, okay. D'un coup d'un seul, la femme et l'enfant. Wow. Allez, voilà, comme ça, au moins, on est bon. Ah, ça y est, et le divorce, tout va vite chez Panda. Ah, le divorce, voilà. Du coup, en une minute, t'as eu la femme, puis l'enfant et le divorce. Alors? Ouais, ça va être ça. Je cherche à entrer. C'était pas une entrée derrière? Alors, nous approchons peut-être ou peut-être pas du prochain indice, je n'en sais rien. On a été brave. Voilà, c'est écrit là, là, brave, brave, avec son avec sa police d'écriture de merde. Les rouges prennent finalement connaissance de la dernière énigme. C'est maintenant le sprint final. Suivez l'arc-en-ciel, il vous mènera à l'arrivée. L'arc-en-ciel, le numéro 3. Ah, c'est tous les papiers, il y a un numéro, je peux pas marquer. Oui, alors on a perdu, hein, j'ai perdu 1000 ans à récupérer là. 48, bah c'est rouge. C'est l'arc-en-ciel, c'est les couleurs ou les numéros? Ça, moi j'ai un violet. Ça a l'air violet. Violet. T'en as combien des trucs? J'en ai qu'un ou ça? Hein ouais, oui. Vraiment, ouais. Bah c'est facile, c'est infrarouge ultraviolet. D'accord, mais... ah, alors. Ah, bah là j'ai tout compris. Bah alors, oh là là. T'attends là. Pas vrai ça, putain. Elle était comment la côte? À vélo? C'est pas aussi bon que l'entrecôte, hein. Non, ouais. Hein non, à mon avis, oui, elle aurait préféré un steak frites. Ouais. Ah, une entrecôte, hein, ouais. Là, ouais. C'est extra rare, les gars. Wow. Et toi, ça allait comment le vélo à électricité? Mais là aussi, l'électricité, moi, je te rappelle que j'ai 3 fractures au bassin. 3, monsieur, 3. Oui, 3. Bah, oui, j'ai vu ça. Voilà. Oui, tu l'as vu avec le 1. Avec... Merci, merci pour la dame. Et 50 kilos à l'arrière, s'il vous plaît, monsieur. Ouais. S'il vous plaît, monsieur. C'est lui qui fait les bonnes actions et c'est moi qui trinque. Ouais. Alors, infrarouge, ultraviolet, rouge. C'est comme ça l'arc-en-ciel, non? Mais non, mais il y en a plus là, que ça. Il y a que 1, 2, 3, 4. Il manque, il y avait un jaune. Il y avait un jaune. Bah oui, il manque le jaune, il manque l'orange. Toi, c'est tout ce que t'as là. Dans l'arc-en-ciel. C'est où? Ah ouais. On va, bravo. Lorsque les verts arrivent, les rouges sont en train de résoudre l'énigme. Pour cela, ils doivent assembler les petits encarts colorés de chaque énigme précédente afin de connaître le lieu final de l'aventure. On voit, elle est toute rouge, ouais, c'est pour ça que je voulais prendre ta température. On est sur du 67 degrés. Toi, ça se voit, t'as pas fait d'effort. Au moins, ça se voit, elle a fait de l'effort. Du coup, quand on s'est croisé dans la grange, vous avez trouvé direct? Je pense que oui. Aurore, t'es plus court de descendre là. Mais faut pas descendre du vélo, par contre sinon c'est tricher. En vrai, nous on a croisé Seb et Matt, ils avaient le truc à la main. J'ai croisé Seb. L'indice à la main. Oui, parce que tu voulais croiser quelqu'un. Mais et valider. C'est pas. Allez. Dernier alors. Ici derrière mes fonds, c'est là, remettez tout droit, tout droit, tout droit, à gauche. Ciao. Autour des verres de faire tomber les quilles. Non. Deuxième essai. Un chacun? Oui, si vous voulez. Ah, c'est deux chacun? Oui, deux chacun. Oh merde. Bon, d'accord. À moi, caméraman. Ah, caméraman, il joue? Oui, il joue. Ouais, bah, votre caméraman, il a gagné. Grâce à l'agilité de leur cadreur, ils gagnent immédiatement leur dernière enveloppe. Attends, il y a un autre indice encore? Oui. Putain, j'en ai marre. Non, on dit, je suis content d'être là. Je passe une bonne journée. Je suis content d'être là. C'est par là. Je vous conseille de vous poser. Poser pour le dernier indice. Putain. Et un peu de joie de vivre. Ouais, bah tu l'as pas fait. D'accord, désolé, hein. Des lol. On passe une très bonne journée, merci Mathieu. Et ça fait Zumba. Café au carnaval. Tu fais bien, toi, hein. Ah, des années d'expérience. Ouais. Des années, elle est même pas sortie. J'ai dû me faire pécho par des homos, tu sais.
J'avoue, non mais il y avait 1000 mecs qui nous suivaient dans les labyrinthes, c'était malaisant de ouf. Ah ouais. Surtout ah que ouais. Nous on cherchait dans les labyrinthes, enfin dans les souterrains, vu que l'indice il dit là où les gens y quennent. Suivez l'arc-en-ciel, c'est vrai. Et vous trouvez le trésor, bah nous on allait dans les souterrains et t'avais les mecs qui nous surveillaient derrière, qui marchaient derrière nous. Je te jure, on était pas sereins. C'est visuel. On va vous donner les mêmes indices qu'on a donné aux autres. Reprenez tous vos indices que vous avez eu jusque là. Ouais. Est-ce qu'il y a des numéros dessus? Oh putain, les. Merci. Je savais bien que ça servait de quelque chose ce truc là. Ah. Allez, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Hop, positionnement. T'as la petite pluie là. Je crois que ça fait presque plaisir. Franchement, moi ça fait plaisir. Moi ça m'a jamais dérangé. Juste, il y a un petit peu trop d'eau pour les lunettes, un peu relou. Ça marche? A tous. Alors les gars, ils ont que 10 minutes d'avance. Ouais. Les bleus sont toujours en route et grimpent à leur tour la butte Montmartre. C'est trop stylé. C'est trop stylé, on finit sous la flotte. Donc après c'est où? C'est par là? Je savais pas du tout. Il n'y a pas de numéro dans celui-là. Non, celui-là non. C'est bon. C'est pas possible. Relou, relou, relou. Tape dans Google. C'est... Tape dans Google, je te l'ai dit. Mais non, mais parce que si tu fais la somme, c'est de la géoloc. Ah, il est fort, quel il est. Dans quel sens tu les mets aussi? Bah dans le premier, dans le sens de dernier. Bah non, c'est l'indice, il est là pour le savoir dans quel sens tu les mets. Bah non, suivez l'arc-en-ciel, donc c'est à la couleur de l'arc-en-ciel. Ah oui. Bah oui, bah je veux dire, tu le savais pas avant de le lire. Bah si. Tu sais, les réponses qu'on a eues avant, c'est. Olive. Ça a pas de fin, ça a pas de début. Oui, c'est vrai. Attends, ils les ont additionnés, l'équipe avant ouais. Vous. Ils ont pas direct dit géologue. C'est vrai que là, on a une fine équipe, ouais. C'est quoi les couleurs de. Rouge au bleu. Attends, mon chéri, je sais plus moi. Bah si, normalement, tu devrais le savoir. Ah bah, excuse-moi, mon chéri. Cherchez le jaune. C'est vrai que le week-end dernier, j'étais avec le drapeau arc-en-ciel, mais. Bah, je me suis fait péter la rondelle. 48 points, c'est sûr. Non, c'était des mecs chelous en plus. 48 points. Par là ? Enfin, je crois. T'inquiète, on va tout donner. Ah, je vous entends plus là. Hein. Ah, ça, tu vas plus nous entendre. Alors. Regarde-nous. Tout droit à gauche, c'est ça ? Il ne reste plus au vert qu'à retrouver leurs énigmes, puis de reconstituer les coordonnées de la ligne d'arrivée dans l'ordre des couleurs de l'arc-en-ciel. Il est où le 6ème indice? Il est très proche par rapport au temps que. Il est là. Il y a celui-là. Ah, la pluie arrive. De toute façon, moi, mon espérance était comptée apparemment. Il vaut mieux que ça soit moi le point le plus haut de nous. C'est plus grand? Ouais. C'est ça. Donc c'est 48.88. Eh, on est bon dernier. Eh, ça fait du bien, hein. Eh, la pluie, ouais, ouais. J'ai une cloque sous le pied, déjà. Moi, ça veut dire que je vais devoir vous accompagner pour le saut pendulaire. Ah, toi-même, ouais. Ouais. Dans les règles, il n'y en a qu'un seul des deux qui a le droit de donner son saut. C'est moi, je pense. Il y en a 3 à 8. Ah, bah, c'est lui. Ouais. Non, mais il n'y a qu'un seul qui a le droit de c'est donner. C'est à cause de toi, mec, qu'on a perdu. Force à cause de. C'est quoi cette logique? Quoi? Hey, laisse-moi me justifier. Ouais, vous avez bien géré ça. Vas-y, envoie pendant. Non, je sais, j'ai fait de la géologue dans tous mes boulots, donc c'est 40. Tu l'as envoyé à moi? Ouais. Ok. C'est où? Vous avez la même. Attends, j'ai la géologue. Canal Saint-Martin? Ouais. Putain, c'est long. Je savais que c'était la bidette. Non, c'est pas Saint-Martin. On y arrive, les gars. Celui-là, il est fermé. Ah, mais les gars! Regarde où est-ce qu'on est. Tu te souviens du cœur sacré du serpent? Ouais. La basilique du Sacré-Cœur. Ah, ils sont là. Allez, allez les gars. Oh, un éclair, je sais pas si je l'ai eu. On a rattrapé le retard donc. La lièvre et la tortue. Ça servait à rien de se presser les gars. Bon, on fait ça hein. Pas toutes, c'est en métro à chaque fois. Ouais. Vas-y, bah la ligne 2, vas-y, c'est parti. Yes, c'est par là, c'est par là. Bien joué le coup de l'arc-en-ciel, mais j'aurais jamais deviné le coup de. Et on se prend la pluie, ça y est. Hélas, un orage se lève lorsque les bleus arrivent à proximité du square Blanchet, alors que les Ousma Kappa ont déjà pris la route en direction du bassin de la Villette. Hey. Ce n'est pas fini, encore une épreuve, allez. Que sinon on fait un chifoumi et on vous donne l'ambiance. Mais du coup, il n'y a personne à l'arrivée.
Y'a qui à l'arrivée du coup? Non. Même le caméraman, vous lancez tous deux fois le bâtonnet. À faut partir d'ici. Il faut faire non. Il faut faire tomber, super tomber, super. Non. Ok. Donc je sais pas ça. C'est sûr. Il va nous faire des forts maintenant. On rigole plus, gâteau là. Eh non. Vas-y Mathieu, là. Regarde, il fout de la gueule, bâtard. Mathieu, je compte sur Mathieu, toi. Fais le 1. Aïe. Mais ça se fait pas. Mathieu, fais un effort. Tu vas perdre. Moi, j'ai l'impression. De quoi? Va-t-il réussir? Bravo. Oh, putain, entre les deux. Pas de chance pour eux. Ils ratent la quille marquée pendant qu'encore une fois, les rouges sont loin devant dans la course. Pousse. Mon parapluie. Ah, il est là. Non, c'est pas mon parapluie, ça, putain. Il est où, mon parapluie? En vrai, ça rince de la transpiration, hein. Yes, c'est par là, c'est par là. Ose ma café, ça y est, il pleut. Voilà. On est dans la merde. Voilà. Là, c'est moi. On vous donne l'indice et on venait faire play parce que la première équipe on les a aidés. On vous donne l'indice, c'est la géolocalisation. Vous avez tous les numéros sur vos fiches. Quoi? Sortez tous les papiers. Ah, c'est les petits numéros en bas à gauche. Viens. Viens là, viens. Non, j'ai jeté les papiers, mais il faut les autres papiers. Bon, du coup, les autres joueurs, quand ils n'ont pas réussi, on leur a dit de monter et descendre les escaliers. Il était là il y a deux secondes. T'as vu, on vient de le faire. Pourquoi je suis dans ça? Monsieur, c'est moi? Ah, dommage. Non, il y a un monsieur qui arrive derrière. Ouais, c'est bon, continue. Bien joué, la tête. Ouais, mais. Monsieur, bonjour. Excusez-moi. Vous avez quelqu'un pour prendre une photo avec une baguette? Est-ce que ça vous en fait? Vous venez avec nous? Là, comme ça, ici. Pour un défi. Vous allez en faire quoi? Les rouges ont l'astuce pour valider leur dernière mission, offrir une baguette à un passant afin de pouvoir le prendre en photo. Ils cumulent donc 4 missions, soit 20 points additionnels. Il a dit oh. Merci. Allez, prochaine étape. Le bar. C'est la deuxième bonne étape. Il y a une dernière étape. Et après, on boit des coups, des gros coups. Ouais, on va boire des pintes. Des grosses pintes. On va surtout faire. Et on est beau. Vas-y, je vais mettre ça. Elle est où ton enceinte? Ah ouais. Ah, j'ai mal au genou. Moi, j'ai besoin de tous les pieds. J'adore l'orage tout le temps. Ah, vous allez bien sous la pluie là? Non, c'est désagréable. C'est plutôt désagréable. Ah, moi ça me va. Oui. Nous, ça fait une demi-heure, on sait, on l'a perdu. Il est là. Non, les gars, toujours. Non, gros, c'est fini. Non, mais surtout qu'on l'appelle à chaque fois. Mathieu, ton équipe, elle a 10 minutes de retard. Mathieu, ton équipe, elle a 3 minutes de retard. Mais oui, ça va, t'inquiète. On est lâche. Mais non, mais Canel de Lourdes, ça va. Venez, on passe, venez, on fonce Sacré-Cœur, on fonce Sacré-Cœur. Comment je fais après? Tu nous montes sinon? Venez, on fonce Sacré-Cœur, ouais, on fonce Sacré-Cœur. Allez, go, on fonce Sacré-Cœur, faut qu'on descende le Sacré-Cœur. Les Bleus ont fini par résoudre la dernière énigme, mais la pluie s'intensifie et la ligne d'arrivée se fait redouter. Allez! Regarde, voyez, il pleut quasiment plus. Tu vois? Tous sont en direction de la fin de l'aventure. Donc on descend, on passe par le Sacré-Cœur, on passe devant le Sacré-Cœur, donc on contourne et on arrive Pigalle. Pigalle, on prend la 2. La 2, on arrive à... Non, vraiment tout ça ? La 2, on arrive à Stalingrad direct. J'ai la tête trop dure. Yes ! Voilà, c'est ça que je veux entendre. Là, vous avez retrouvé votre sourire. Wouhou ! Yes ! Bonjour. Bah ouais! Tu peux pas formaliser! Désolé! Pendant ce temps-là, l'équipe rouge et l'équipe verte!
Mais y'a pas de pendant ce temps-là, y'a plus de pendant ce temps-là. C'est fini. Y'a que nous là maintenant. Les Ousma Kappa sortent du métro pour se rendre sur la ligne d'arrivée et doivent aussi se confronter à l'orage et la pluie. Il pleut, c'est la misère. On y est, ça y est. On a la dernière ligne droite. Il pleut comme vache qui pisse. On est deuxième normalement. Peut-être premier. Peut-être premier. On a quand même été vite. Tu es ? C'est bon. J'ai remis Chou derrière. Juju bien sûr en t-shirt. Salut, ça va ? Et un parapluie, hein. Et un parapluie, toujours un parapluie. Ok, Ganou, on a perdu à cause de Mathieu et la flotte. Genre Mathieu. C'est le canal de l'Ourcq, exactement. Yes. Alors, on va être trempé. Ah, en plus, ils sont en vélo. Vous l'avez vu juste avant, on est parti de Sacré-Cœur. On a croisé l'équipe Yacine Aurore qui sont partis jusqu'en arrivée. On a fait le jeu des quilles, on a eu directement l'indice. On a un Rémi Chou qui dit ouais, les, hey mec, c'est des coordonnées GPS, faut direct Google Maps, etc. Il n'a même pas cherché à savoir. T'as Max qui dit hey, couleur de l'arc-en-ciel. Il y avait des chiffres sur chaque indice, faut les remettre dans l'ordre, c'est les coordonnées. Comme tu veux, bien. Bah là, ça va aller vite. Eh, Montmartre sous la flotte, c'est trop stylé. Allez, j'adore. Du coup, boum, boum, boum. Franchement, en 2 minutes, c'était plié. Ils ont directement eu la coordonnée GPS. Putain, tu vois. Je crois qu'il pleut, mais pas du tout. Non, il y a... Non, mais il flotte pas du tout, les gars. On est bon. On est vraiment à 300 mètres de l'arrivée. C'est la dernière limite, la dernière ligne droite. Il pleut. Comme jamais on se fait arroser. Tu voulais une douche? Bah ça y est. Non, ça rafraîchit. Est-ce qu'on est les premiers arrivés ou pas? C'est la caméra qui va être témoin. Moi j'aime bien cette journée, je suis content. T'allais dire? Ouais, ça va. Bah ouais. En soi. Bonsoir. Donc voilà, est-ce que nous, en transport en commun, on a réussi à redépasser Yacine et Aurore? Je ne sais absolument pas. Ils sont en vélo, il pleut comme pas possible. Nous, on a pris le train. Franchement, suspense jusqu'au bout. Voilà. On sait qu'il y a une troisième équipe qui est en retard. C'est son dernier, on le sait, hein, c'est comme ça. Oh là là. C'est qui ça, ça me fait laver ? C'est grave. Franchement. Singing in the rain, and just singing in the rain. La la la, la la la. J'ai l'impression d'avoir une serpillière sur moi. Oui, je pense aussi. Je pense aussi, oui. Les Verts pensent être possiblement les premiers, mais Maxime a un des maîtres du jeu au téléphone. Ces derniers l'informent que les Rouges sont venus à bout de cette course bien avant les autres. Mais que les intempéries ne l'ont pas permis d'organiser un pot d'arrivée. On n'a pas perdu encore. On est premier en partant de la fin. Mais on est content. Mais on a fait une belle course quand même. On a fait une très belle course. Ah, on est les premiers ou pas? Putain, nique sa mère. Les Rouges sont donc les premiers de la deuxième course, suivis des Verts, puis des Bleus. La Chapelle. On a rencontré des gens sympas. La Chapelle. Bah apparemment il y a l'équipe Yacine Aurore qui sont arrivés. Ah, non, du coup, c'est comment, on est deuxième là? Ici, deuxième. Non, ils veulent aller chez Panda. La course s'arrête donc à cause de l'orage et c'est finalement chez Panda qu'ils se retrouveront pour débriefer de cette incroyable journée. Julien à la caméra. Maxime, Rémi, deux joueurs. Ils ont performé à tous les jeux, à tous les quiz. Ils ont été top 1 en quiz, ils ont été top 1 à tous les jeux, à toutes les énigmes, franchement stylé. La team bleue les gars, la team bleue. Bien joué quand même. On a bien un temps long, c'est trop. Comme tourné.
Et c'est la fin de l'aventure Paris Express. Mais avant de nous quitter, découvrons ensemble le classement final. Les Rouges sont arrivés en tête des deux courses et ont rempli leurs 4 missions. Avec 4 bonnes réponses, ils ont marqué 8 points au quiz. Ils obtiennent alors 46 points au total. Les Verts sont arrivés second aux deux courses et ont également rempli leur mission. Mais ils ont reconnu Guillaume et mieux répondu au quiz. En ajoutant les 4 points gagnés contre nos champions, ils totalisent 48 points. Les Bleus, quant à eux, sont arrivés derniers et n'ont pas su remplir une de leurs missions. Ils ont bien reconnu notre homme mystère, mais ont échoué au quiz. Ils finissent donc avec 29 points. La victoire revient donc aux Verts avec 2 points d'écart sur les Rouges. Les Bleus se retrouvent ainsi en bas du classement et devront alors réaliser le saut pendulaire. Du moins, c'est ce qui était prévu. Quatre mois plus tard, on retrouve une partie de la bande et au viaduc de la Souleuvre. Et c'est la fin du jeu. Les Verts sont au rendez-vous alors qu'ils ont gagné. Les Verts sont au rendez-vous. Toujours ils vont là, sauter. Les Ouzma Kappa ont choisi de sauter à l'élastique en récompense de leur victoire. Pour le plaisir, je suis là pour le plaisir. Qu'est-ce qui s'est passé? Infortunément, les anciens n'ont pas pu être présents. Les perdants, qui sont les Bleus, auraient dû sauter. Mais ça manque un peu d'enthousiasme pour sauter en saut pendulaire. Du coup, c'est Aurore qui a sauté. Comme il faut un accompagnant, je suis là. Et voilà, et c'est parti, on va y aller. Moi, il pleut pas. Allez. Ça va être cool. Et qu'est-ce qu'il a oublié? La petite carte souvenir. Coucou. Hey. C'est parti. Je m'assois. Et c'est parfait. Et c'est parti. Je suis assis. Attends, ça arrive. Hey, voilà, viens là toi. Alors, tu te sers bien? Alors, c'est où toi, Arnaud? Comme je vous disais, on recule. Décalé. T'as compris? On respire profondément. Ah ouais, ça me plaît. Ouais. Ça va, les gars? Ça va. C'est parti. Bâtard. Alors, on met ça. Franchement, je m'attendais à plus. Wouh. On remonte. Et on remonte. On remonte. J'avoue, il serait capable. Attends, au cas où. Au cas où. D'autres fois. Ouais. Ouais. On était en train de se demander si t'allais dormir. Ouais, c'était bien. Ouais, c'était pas mal. Hein. Ciao. Salut les copains. Et ça, c'était fait. Et au suivant maintenant. Ah voilà, il fait beau là. On dirait que t'es bourré. T'es bourré. Ouzma Kappa, alors allez taper là au moins parce que vous avez gagné les gars, vous avez gagné. Allez, ça c'est une team, la team verte. C'est
parti, ça commence. Tu en tireras ton masque pour éviter de ravaler ton volume. Là t'as fait zéro, voilà. Ah ouais, je vais pas fait de l'été. Super, on se relève, salut. Oh bien. Allez, c'est parti, hein. Tu fais un petit bouffon ici pour ta mignon. Yes. Et pour Maxime et Pip Pip. Yeah. C'était trop bien. Yes, on est gagnants. Salut à tous. Bah yes, c'est la fin de cette belle journée incroyable que j'ai essayé de vous résumer en 6 épisodes et qui n'aurait pas été présentée sous cette forme sans l'aide de Rémi Chou qui a permis de rendre ça très réussi et visuellement incroyable. Donc merci à toi Rémi. J'aimerais remercier tous les participants, Aurore, Yacine, Morgane, Seb, Maxime et Rémi qui ont joué le jeu jusqu'au bout avec une confiance aveugle. Un grand merci aux cadreurs Elo et Juju qui ont permis de capturer chaque instant de cette course insolite. Merci aux maîtres du jeu, Camille et Panda, qui m'ont permis d'organiser la course et qui ont rendu tout ça possible. Et aussi un grand merci pour la participation d'Anaïs et Balou qui sont venus ponctuer cette course de jeux supplémentaires. Et bravo à Guigui pour avoir osé se balader déguisé dans Paris afin de surprendre les joueurs. Et voilà, c'est la fin de cette course. Merci à tous et à la prochaine.
bien avec la belle vague. Lève la tête, regarde loin devant, lève les bras sur les côtés, ouvre le torse, compte plus petit, plus rien, prends une bonne inspiration, Rémi. On est parti, je te fais des comptes, 5, 4, 3, 2, 1, push. Ah, j'ai pas eu l'eau. Coucou toi. Je vais t'aider. Parfait. On va se faire un petit coucou à la photo de haut. T'as vu la caméra? Ah, c'était celle-là. Ouais. Ah, je pense qu'on est là en fait. Donc je regarde celle-ci, je suis à vous. C'est ouais, là. Ah, sympa. Ouais, ça va. Bah, en fait, ça dure quand même assez longtemps. Ça va, ouais. Et en même temps, ouais, t'as pas un problème. Quand on jouait, tu peux très bien voir l'avant. C'est vrai? Ouais. Putain, j'ai pas touché l'eau. Ouais, t'étais à sortir. Ouais. Quand j'ai vu l'eau, j'ai fait ah, il est là-bas. Ah, j'ai bien aimé. Yes. Yes. Surprenant, hein? Ouais, c'est ah ouais. Premier jeu pour toi? C'est ça, exactement. Bon, ça va, c'était? Ouais. Ah, du coup, on fait de nos 30 ans. C'était ok. Ah, c'était ouf. En fait, tu sens pas. Tu... T'as une minute, enfin, t'as 30 secondes, peut-être 20 secondes. C'est ça. Ah, la vache. Senti ouais, ouais. Enfin, moi, j'ai senti non, ça va, franchement, j'ai pas senti. Ouais, je me suis senti un peu. Tu sais pas où t'es. Tu sais pas où t'es, quoi. C'était trop bien. Ouais. Yes, on est gagnants, nous. C'était le dernier épisode. Merci d'avoir regardé l'aventure. Paris Express.